tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Mode à la Mode. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour vous présenter, discuter du dernier mode V8 Supercar disponible sur Assetto Corsa. Un mode qui reprend non pas les modèles, mais bien les livrées de cette saison 2018. Un mode qui est entièrement gratuit et que vous pourrez retrouver dans la description en dessous de cette vidéo. A noter que vous allez voir plusieurs courses qui ont été réalisées au préalable et montées bien entendu. Ces courses sont disputées sur différents circuits australiens. Vous allez retrouver dans la description le lien vers une vidéo YouTube qui vous permettra, dans cette propre description, de télécharger ces différents circuits. Alors, le championnat d'Australie de Supercar V8 n'est plus ce qu'il était il y a une certaine époque, c'est-à-dire qu'on sort de près de 30 ans de duel entre Holden et Ford, Holden l'équivalent de Vauxhall ou d'Opel. Et depuis quelques années, bien différents constructeurs sont venus et sont partis à l'image de Volvo, de Mercedes ou encore de Nissan. Dans ce mode, vous retrouverez donc trois modèles 3D, trois voitures spécifiquement réalisées, la Ford, la Holden Commodore et évidemment la Nissan Altima. Ces trois voitures ont exactement le même comportement, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une physique pour les trois voitures, pas de hiérarchie, 350 chevaux, le même poids, la même accélération, exactement les mêmes options de réglage également. Alors ces trois voitures sont pour moi identiques au niveau du comportement bien sûr, mais c'est pour moi l'un des modes Assetto Corsa les plus aboutis depuis longtemps. Alors, il y a pas mal de points positifs qu'on va évoquer tout au long de cette vidéo d'à peu près un quart d'heure. Notamment, un point que vous avez pu tout de suite découvrir au début de cette vidéo, c'est le son. Alors, la réalisation sonore de ces bruits de V8 est absolument sensationnelle. Franchement, c'est très très propre, c'est digne d'un pack phone seeker ou à la limite d'un race room tellement le bruit est présent, le sifflement, le bruit tellement spécifique de ces moteurs est vraiment agréable, tant en vue externe qu'en vue interne. C'est-à-dire qu'on a vraiment la sensation d'avoir le sol qui tremble comme ça quand le peloton arrive. Ça donne vraiment un effet très impressionnant quand on a un bon casque pour profiter du son des bolides. On peut très bien piloter à l'oreille, hein, c'est vraiment très agréable de pouvoir vraiment s'immerger dans un peloton avec... je vous invite à mettre les sons des moteurs de vos adversaires un peu plus élevés que le vôtre, comme ça vous êtes vraiment enfermé dans une symphonie de V8 et c'est vraiment très très agréable. Le second point que j'aimerais aborder avec vous, logiquement, c'est la physique. Et là, une nouvelle fois, le mode est excellent. Pourquoi ? Car on a vraiment les limites du grip dans les sensations de la physique de la voiture. On peut très très bien régler son bolide avec pas mal d'options au niveau aéro, au niveau du roulis, etc., etc. Mais sincèrement, quand vous regardez une course de V8 Supercar, vous avez cette accélération et cette gomme qui gratte vraiment le tarmac. Là, vraiment, en accélération de virage de moyenne et de basse vitesse, ben vous avez ce grip, cette limite, cette glissade incroyable de la voiture et c'est tellement jouissif. Alors personnellement, je ne roule pas avec des palettes, je roule avec le TSS Handbrake. Donc on tire pour monter les vitesses et on pousse pour descendre. Et je peux vous dire qu'avec le comportement de la voiture à une main, parfois il faut vraiment jouer de la limite du grip. Et ce qui est génial, c'est que ben, tu prends ton virage, la voiture part de l'arrière, tu laisses le pied dedans et tu corriges au volant. Et c'est juste magnifique. Franchement, c'est une des meilleures sensations de physique que j'ai eu pour un mode, hein, j'entends bien, depuis très longtemps. Concernant le retour de force de ces bolides, on ne peut que leur reprocher d'être peut-être un peu trop souple pour peut-être estimer la perte d'adhérence, mais une fois que vous avez pu réadapter la sensibilité de votre volant à la voiture, eh bien c'est un pur bonheur. Sincèrement, les sensations à une main ne sont pas trop fortes, sont vraiment bien équilibrées de base. Alors après, évidemment, vous pouvez le modder si vous avez un direct drive ou un volant avec beaucoup plus de retour de force.
Je pense par contre que si vous pilotez avec un petit volant du style T150 ou en tout cas un volant de milieu d'entrée de gamme, ce qui est le cas de bon nombre de joueurs, j'en suis tout à fait conscient, c'est pour cela que je vous fais ce petit point, eh bien vous risquerez peut-être de devoir augmenter les sensations de retour de force pour vraiment sentir les limites de la glisse de la voiture en virage. Sincèrement, c'est très très bien fait, une nouvelle fois, des sensations précises, exactes et qui sont très très bien jaugées par rapport à ce qu'on peut se donner comme transfert de chair de la voiture. Évidemment, en cabrage et en plongée, c'est pareil. Quand la voiture monte sur les freins, les vibrations du volant sont très intenses. C'est vraiment très très bien réalisé. Une nouvelle fois, c'est un travail qui est extrêmement propre de la part des développeurs et une nouvelle fois, un travail gratuit de qualité. Je vais vous laisser un petit plan ou deux pour vous faire un petit peu plus à l'idée du son des voitures et je vous reprends juste après pour la suite de cette explication. Les capacités du mode maintenant. Effectivement, nous avons à notre disposition trois voitures, trois modèles 3D qui ont exactement le même comportement en piste. Vous n'allez donc pas être favorisé si vous souhaitez prendre une Holden ou une Ford ou une Nissan. Par contre, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a une petite erreur, petite tromperie sur la marchandise. Bon, c'est un détail, vous me direz, mais les voitures présentes sont bel et bien aux couleurs de 2018. Malheureusement, les modèles 3D sont ceux de l'année précédente. En effet, nous n'avons pas à notre disposition, par exemple, la nouvelle Holden qui n'est pas la présente. C'est un petit peu dommage. Nonobstant tout cela, ça ne gâche pas non plus le plaisir. Il faudrait mentir pour dire le contraire. Donc, effectivement, le peloton a une belle gueule. On a pas mal de skins. Alors, il y a 4 décorations officielles pour la Nissan. Il y en a une dizaine pour la Ford et une douzaine pour la Holden. Si d'aventure, vous souhaitez étoffer la grille avec des livrées classiques, des livrées d'anciennes saisons, eh bien, vous pouvez consulter le site officiel et vous pouvez à l'unité télécharger des skins supplémentaires ou remplacer des skins qui ont été utilisés au cours de la saison dernière par certains pilotes pour des événements particuliers. C'est un petit bonus, ça donne une nouvelle fois une idée du travail des développeurs, c'est bien fait et c'est vraiment un petit bonus sympa. Pour retrouver un contenu officiel de ce championnat australien de super tourisme, il faut remonter très très loin. En effet, depuis les Toka Race Driver, il n'y a plus vraiment eu de voitures de V8 Stock Car dans les jeux grand public. Évidemment, vous savez que depuis quelques années, les nouvelles générations sont arrivées sur iRacing, tant la Ford Falcon que la Holden Commodore, pour la dernière année du duel fratricide entre les deux marques australiennes. Mais depuis, eh bien, on n'a plus vraiment la possibilité de jouer avec les tout derniers modèles. Et ce mode vous en donne une belle opportunité. Je sais qu'il existe beaucoup de modes présents, plus anciens évidemment, et de très très bonne facture, pour les anciennes saisons, sur par exemple GTR2, R-Factor, R-Factor 2, ou encore Automobilista. Donc je vous invite à peut-être fouiller, si vous êtes fan de cette discipline, pour retrouver d'anciennes saisons ou d'anciens modèles qui ont été utilisés au cours de ces dernières années. Bon, il faut dire que pendant 20 ans, les modèles n'ont pas réellement évolué, hein, ça a resté toujours les deux modèles typiques des deux marques qui se sont battus, mais depuis quelques années, eh bien, il y a d'autres modèles présents. Ce que l'on peut regretter peut-être, c'est aussi l'absence de modèles supplémentaires qu'on aurait pu agrémenter dans cette saison, par exemple la Volvo S60, la Mercedes éventuellement, qui auraient pu être deux voitures qu'on aurait aimé voir en option à l'image des skins qui ne sont pas officiels. Ça aurait vraiment apporté un vrai, vrai bonus. Donc vraiment, c'est une opportunité de refaire un mode de qualité avec des circuits fonctionnent quasiment tous, peut-être parfois quelques problèmes au niveau de la grille de départ pour l'IA sur certains circuits, mais globalement il y a moyen de se faire un très très beau championnat avec des voitures équilibrées, avec une IA qui reste quand même assez variée, c'est-à-dire que vous n'allez pas retrouver constamment les leaders en tête, donc ça peut apporter pas mal de challenge au niveau du championnat.
Globalement, sur les images que vous allez voir, vous allez souvent deviner en tête les Ford, ensuite les Nissan et les Holden qui se battent. Effectivement, je n'ai réalisé pour cette vidéo que des courses sans séance qualificative et les voitures sont mises un petit peu à la chaîne, un peu à l'image des modes de Formule 1 où les voitures sont placées deux par deux selon les équipes et l'indice de performance. Ici, il y a vraiment match entre les trois voitures, il n'y en a pas une mieux que l'autre et elles ont, tous les trois, je le rappelle, le même comportement. Ce mode est donc gratuit, vous pourrez l'acquérir donc dans la description, je l'ai déjà dit, et ça nous montre une nouvelle fois que par passion, eh bien, on peut faire de très très belles choses sans forcément être rémunéré. Je vous invite donc à vous-même tester ce mode, à pourquoi pas me donner votre ressenti en commentaire, me dire si vous voulez peut-être voir un peu plus de ce mode avec des onboards ou d'autres vidéos. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié les quelques heures que j'ai passées au volant de ces voitures. Vraiment un gros, gros, gros kiff. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode du mode à la mode. On va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Je sais que beaucoup sont impatients de découvrir la deuxième saison F1 2017. Elle arrivera au mois de mai prochain. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Je vous laisse encore quelques plans de course pour conclure cette vidéo. Rendez-vous bientôt. Bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. Et à la prochaine. Ciao !